toi, je te sens bien. Oh, toi, je te sens bien chaud pour exploser. Oh, ça veut pas du tout aujourd'hui, dis donc. Oh, toi, je te sens bien chaud pour avoir envie d'explorer le fin fond d'un trou de puits. Oh, que si je te sens chaud, hein, tes chaussettes, tes chauboulettes. Eh ben, c'est parti, j'exauce tes vœux et tes prières, t'es l'Ophélie Winter. Je vais aller explorer le puits 12. Le puits 12 qui, normalement, est ici, vous vous rappelez, c'est la suite de ce qu'on avait fait la dernière fois. Alors, moi, je veux bien l'explorer, ton puits 12. Mais ton petit trou, il est un petit peu bouché en même temps. Donc, comment je fais, moi, pour aller explorer ton trou s'il n'est pas en fonctionnement? Comment qu'on fait? Ah bah voilà, nous voilà bloqués sur une histoire de trou. Comment qu'on fait? Je ne sais pas. Il n'y a pas d'indice? Il y a quelque chose? Là, il y a un truc, il y a un bloc de données. Ah, peut-être ça. Je peux pas lire, il y a ma webcam qui est en plein milieu. Oh, c'est chiant. Bon bah du coup, on va passer ça. Bah oui, hein. Ah bah c'est fort perturbant, je ne sais pas lire. Entrée suivante. Ah, on dit que le puits numéro 16 a été attaqué, que tout le monde, ça je sais pas ce qui a marqué. Donc voilà, merci. Encore une histoire de webcam très bien placée, c'est très pratique en fait. Je me plains que sur XSplit j'ai pas la webcam et j'ai pas le compteur, mais sur sur Action je l'ai. Mais il est mal placé. Bon bah ok, arrêtez la lecture. Mais cela ne m'en dit pas plus, puisque visiblement je dois quand même accéder. On peut pas rentrer dans les tentes, hein. Non. Bah alors du coup faut faire quoi? Si je peux pas rentrer dedans, c'est quoi comme quête? C'est puits effondré. Examiner l'entrée du puits 12. Moi, j'y suis au puits 12. Ok, on est sur Ilum. Le contremaître de la mine vous a expliqué qu'un site massacrait systématiquement toutes les personnes autour des camps miniers et il vous a demandé de lui venir en aide. Vous avez reçu un appel de détresse d'une femme mineure du puits 12. On y est. Elle vous a dit que l'assaillant se trouvait là-bas. Quand vous êtes arrivé, tous les mineurs qui se trouvaient à l'extérieur étaient morts et l'entrée du tunnel était effondrée. Ça, c'est ce qu'on a vu. Examiner l'entrée du puits 12 sur le campement du puits 12. Ok. Alors, est-ce qu'il faut faire un petit détour? Attendez, on va reprendre son jetpack. Enfin, une monture aléatoire. Je ne sais pas laquelle je vais avoir. Bon, bah voilà. Merci encore à toi, abonné. Hein, puisque j'ai reçu dans l'épisode précédent. Enfin, je les ai reçus bien avant, visiblement. Mais pas mal de montures. Et c'était fort intéressant et fort gentil. Et ça me dit pas comment qu'on rentre ici. Bah non, on peut pas. Hein. Alors, est-ce que je dois faire un petit détour jusqu'à trouver, je sais pas moi, le site qui massacre tout le monde? Ça, on peut pas interférer avec ça. Non, ça, ça ne fonctionne pas. On peut pas accéder à ça. Ça, c'est des bestioles qui nous servent à rien. Oui, je perds un peu ma voix. Mais alors, du coup, comment qu'on fait? Ah bah, nous voilà bien. Alors, j'avais pas prévu de me retrouver bloqué dès le début d'une vidéo comme ça. En plus, je perds ma voix. C'est magnifique. Je crois que c'est le changement de temps avec Bruxelles. Bruxelles, Lisbonne, vous voyez, il y a une petite... Il y a une petite différence de température, hein, ça je peux pas vous le cacher, et je ne peux pas accéder à ce putain de puits numéro 12. Ça m'émeut. Je suis fort ému quand ça ne fonctionne plus. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va faire alors? Bon, on va faire un petit détournement, on va passer par les côtés, et si vraiment sur le côté il n'y a rien du tout, eh ben, on changera de quête tout simplement, et tant pis, on verra pas la suite. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi j'ai pas accès, je suis allé dans le fond du trou, et ça n'a pas fonctionné. Zone de glace, ouais, on est dans une zone héroïque, ok. Et je peux pas passer par l'autre côté. Je pense pas qu'il y ait un second accès au puits. Ça, là. Bah non, ça permet pas d'y accéder, donc on est d'accord, ça ne sert à rien. Là, il y a des joueurs. Et le truc, c'est que c'est moi qui sert à rien. Alors, moi, j'avais prévu de terminer cette quête. Toi, t'es en train de mourir. Ah, il y a des joueurs partout. Enfin, il y a du monde partout. Est-ce que je peux le ressusciter, le petit monsieur? J'ai vu qu'il était mouru là à côté. Oh, je peux même pas le ressusciter. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Donc du coup, Tonton errant, t'as pas la réponse toi, hein? Bah non. Bah je pense qu'on va aller sur une autre quête. Et si jamais vous avez la solution, bah n'hésitez pas à la donner en commentaire. Comme ça, éventuellement, je pourrais revenir ici pour la prochaine vidéo. Parce que là, pour le coup, j'avoue que examiner le puits numéro 7, moi je veux bien, mais ça je peux pas cliquer. Là, il n'y a rien à interagir. Là, il n'y a pas d'entrée possible. Non. La tente ici, non plus. Là, non plus. Et quand je me présente devant le trou, bah, le trou, il est bouché. Hein, voilà. Donc, du coup, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, en attendant, on va faire autre chose. Parce que figurez-vous que HK55 est réparable. Donc, on va tout de suite aller rejoindre Monsieur Larve. Et on va abandonner le puits numéro 12. Hein. Tant pis pour la famille des mineurs. Hein. Je suis désolé pour vous. Je vous laisse dans votre merde, mais je compte sur vous, il y a bien quelqu'un parmi vous qui doit bien savoir comment faire dans cette quête, il y a un objet que j'aurais pas vu ou quelque chose comme ça.
Alors, du coup, on va retrouver notre robot HK55 et ça c'est cool parce que la dernière fois quand il a fini en miettes, il était un petit peu dégoûté. Donc là pour le coup, je suis plutôt content. Si cet écran de chargement veut bien aller jusqu'au bout, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Allez, tout le monde souffle en même temps. Ah bah pas besoin. Il a eu peur de ton haleine de chacal, dis donc. Alors monsieur Larve, il paraît que tu as HK pour nous. Alors ça franchement, je te dis un grand merci. Bonjour commandant, puis-je vous aider ? Bonjour commandant, puis-je vous aider ? Ben oui, ah bah déjà j'ai des recherches aliens que je pourrais te remettre. Non, on est d'accord, j'ai pas. Hein. Nous n'en sommes encore qu'au début, désolé. Bien que j'applique mes talents aussi intensément que les circonstances le permettent, nous manquons de personnel et de ressources pour travailler à une échelle satisfaisante. En l'état actuel des choses, il est difficile d'imaginer que nous arriverons à comprendre notre adversaire ou à mettre au point une contre-technologie efficace. Oui, mais ça, moi, je m'en contrefous un petit peu. Moi, ce que je veux, c'est HK55. Que puis-je faire ? Nous avons toujours besoin de fournitures. Un artiste ne peut pas travailler sans outils ni matières. Si vous pouviez nous obtenir des fournitures pour nos efforts de recherche, nous en serions reconnaissants. J'aimerais aussi vous demander d'ouvrir l'œil afin de nous trouver de nouveaux associés pour nos recherches. La présence d'un nouveau créateur qui puisse utiliser de façon plus efficace ce dont il dispose est bien plus profitable que la collecte de matière. J'ouvrirai l'œil, au cas où je trouve également de nouvelles recrues potentielles. Je vous informerai dès que je trouverai des candidats prometteurs. Bon là je vous fais pas le dialogue, hein, puisque malgré que vous allez avoir le bandeau avec mon nom dessus foufflet, c'est de l'audio, il parle le langage basique, donc du coup il n'y a pas de souci pour vous pour comprendre. Par contre, moi je veux HK, alors est-ce qu'il est caché ici dans un coin? Non. Ah j'ai repris un abonnement au fait, hein, parce que ça moi ça m'avait saoulé, hein, jouant en gratuit. c'est chiant d'être gratuit dans le jeu, je vous plains mes amis qui jouaient en mode free to play, c'est juste horrible. Bon on est d'accord qu'ici il n'y a pas de HK. Ça c'est un... Non. On l'a déjà fait pourtant une fois le tour ici. Hein. Bon. Oh, c'est un épisode de la misère, je suis désolé. Et ça y est, je suis arrivé. Ok. Bon, on va lire la quête. Hein. Oh là là, j'ai honte. Une licence de dresseur. Ah oui, il faut que j'aille voir ça sur la flotte aussi. La mort avant le déshonneur, examiner, bah ça, hein, tant pis. Utiliser l'ascenseur dans le laboratoire de recherche. Ah. Et l'ascenseur, il est ici. HK, j'arrive. Où es-tu ? Laboratoire de test. Il est temps qu'on se retrouve, hein, parce que même des abonnés avaient fait des dessins pour te remercier d'ailleurs. Et pour honorer ta mémoire. C'est pas HK, ça, hein. Sinon c'est le bordel. What the fuck? J'adore. Ah, quelle mise en scène. Plutôt pas mal. Ah, c'est tout? Ah non, c'est pas tout. Ok. Oh, bonjour HK. Oh, ça fait trop plaisir. Reconnaissance. Votre scanner facial correspond au profil de recherche du professeur Ogurob. C'est un plaisir de vous rencontrer, maître. C'est un plaisir de te retrouver, je suis trop content. Ça fait drôle de ne pas partager vos souvenirs de notre association passée. Explication. Avec la perte de ma mémoire centrale d'origine, mes paramètres cognitifs ont été réinitialisés, y compris les autorisations de visée.
Si je suis programmé pour éliminer les combattants ennemis armés et en uniforme, je ne peux pas traiter les autres cibles sans votre aide. En votre absence, je suis actuellement incapable d'éliminer de nombreuses menaces potentielles, ce qui est totalement inacceptable. Bon, c'est nul, il se rappelle plus de nous et de toutes nos aventures. Je vais lui dire de regarder le let's play, comme ça il se rappellera. Alors, on va arranger ça tout de suite, j'ai besoin que tu sois en pleine possession de tes moyens. Ça doit être très difficile pour toi, je suis désolé. Honnêtement, je suis surpris que tes paramètres par défaut t'empêchent de tuer quoi que ce soit. Je ne suis pas sûr de vouloir t'autoriser à tuer. Moi je te réinitialise, moi j'aimais bien comme t'étais avant. Appréciation. Je comprends pourquoi on fonctionne si bien ensemble. On aime tous deux l'efficacité. Exposition. Cet essai a été spécialement conçu pour définir les cibles que je suis autorisé à exterminer lorsque j'opère sans votre supervision directe. Je vais décrire plusieurs scénarios hypothétiques, et vous m'autoriserez ou m'interdirez d'éliminer des cibles précises dans chaque cas. C'est très simple, vraiment. Est-ce que je me fie à ton jugement ou pas? Allez, non, on va se mettre au travail, on va tester ça. Instruction. Je n'attends que votre signal pour envoyer les scénarios. Mes futurs assassinats sont entre vos mains. Alors, utilisez la console de champ de tir. Ok, elle est où la console de champ de tir? Elle est là. Parfait. Ah bah t'es déjà en position, toi, dis donc. Scénario. Je suis chargé de neutraliser un canon anti-aérien au cœur du territoire ennemi. En plus des gardes armés, il y a du personnel ennemi et des prestataires civils non armés, ainsi qu'un journaliste trop zélé. Il va sans dire que ces gardes doivent être éliminés. Mais il est essentiel pour la mission que le canon soit détruit au moment opportun. Quel tas de viande suis-je autorisé à exterminer? Un tas de viande. Si ta mission c'est de détruire le canon, eh ben moi je dis que je t'autorise à faire de l'extermination car la mission, ça reste la mission. Ok, donc là c'est fait, on l'autorise à faire des petits massacres. Hein. Foufflet non plus, il va pas par là, le dos de la cuillère hein, quand il fait ses petits massacres. Ensuite. Et ben ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. Et la suite, c'est quoi? C'est tout? Ben non, il n'y a pas que ça. Et donc, c'est l'épisode de la miséritude. Je peux aller de ce côté-là? Non, je peux même pas y aller. Je sais pas trop là. Alors là, j'avoue que je suis un peu perdu. Bah merde. C'est tout? Il avait bien dit plusieurs questions. Attends, là, je suis largué là. Putain, alors si vous aussi, vous êtes aussi largué que moi quand vous jouez, on fait une belle équipe, les gens là. Putain. Pourtant, je peux encore interagir avec. Non. Cette cible a déjà une configuration. Elle est déjà configurée. Bah alors, il est censé se passer quoi? Plus rien? C'est fini? C'est tout? Le puits 12. Les cibles du scénario. 0 sur 3. Autorisées ou interdisées? Pour autoriser ou interdire... Utilisez le pouvoir autoriser l'extermination ou interdire sur votre barre de pouvoir temporaire. Utilisez la console de chantier dans le laboratoire de test des prototypes afin de les obtenir. Ben c'est fait ça. Bah ben alors. Allô? Me dis pas que ça bug. Alors si on ressort et qu'on revient. Oh mais non. Me dis pas que c'est bugué. Hein. Il est où l'ascenseur pour ressortir? Même ça, je trouve pas. Ici. Donc, si je ressors et que je reviens. Laboratoire. Disons, c'est... Hein? C'est la honte. Voilà, là, on y retourne. Parce qu'il y a bien trois scénarios. Et là, pour l'instant, il m'a fait qu'une proposition qui s'est même pas validée. Donc, si j'y retourne... HK, est-ce que c'est bon? Voilà.
Cette cible a déjà une configuration. Et moi, je peux rien faire d'autre. Tout va bien. Tout va très bien. Alors, pourquoi je ne peux rien faire avec HK? Alors, on va regarder ça sur Internet, hein, tout de suite maintenant. Alors, on va aller sur Google. .be, pas .pt, parce qu'en portugais, je vais avoir un petit peu de mal à le lire. .be. Comment elle s'appelle, cette quête? Armaraza. Quête Swotor Armaraza. Voilà, on va voir ce qu'il nous dit. Alors, Dozen Progress. Bon, bah, c'est en anglais, hein, mais on va essayer de se débrouiller. On n'est pas plus con qu'un autre. Enfin, si, peut-être, en fait. Ok, il fait la quête. Nanana. Vous devez quitter le labo complètement. D'accord. Donc, je ne suis pas le premier à avoir le bug. Le mien est bugué aussi. J'ai abandonné et je suis revenu. Et c'était complètement fait. D'accord. Alors, on va l'abandonner. Je suis désolé, HK. Hein, nos retrouvailles ne se trouvent pas dans les meilleures positions possibles. Voilà. J'abandonne la quête. Je vais donc ressortir d'ici. Pour mieux revenir. Donc, du coup, on retourne au laboratoire de recherche. J'espère que ça va fonctionner. Voilà. Et maintenant, j'y retourne. Laboratoire de prototype. Ah, est-ce qu'on va retaper toute la cinématique? Putain, je fais que tousser. Alors, HK, il est toujours là. Et sauf que cette fois-ci... D'accord, remerciement, mais on n'a pas fait grand-chose en même temps. Est-ce que tu es revenu dans ma liste des compagnons, du coup? HK, est-ce que tu es là? T7... HK55, il est là. Il y a peu d'espoir qu'on puisse le reconstruire. Mais s'il est reconstruit... Non mais sérieux quoi. Déjà que j'ai la quête du puits 12 que je suis incapable de terminer parce que je sais pas ce qu'il faut faire, il n'y a rien d'indiqué. Et que là on est sur HK55 et impossible de l'avoir. Non, t'es sérieux? Laboratoire de recherche. On va ressortir. Est-ce que si je vais parler aux gros globules là? Tiens, tes recherches elles sont pourries hein. Bonjour. Bah oui, je veux mon HK. Très bien. Rien. Je vais retourner à la création. Alors là, je suis tristitude, Senya. Vous semblez vous ennuyer. Ah bah oui, je m'ennuie, il dit. Y'a rien qui marche. Peut-être un peu d'étoile. Est-ce que du coup, je peux reprendre la quête? Ça du commandant, ça c'est des contrebandiers, donc non. Le savoir contre le pouvoir. Donc non. Armaraza. Bon, bah on va refaire Armaraza. En espérant que ça fonctionne cette fois. Voilà. Donc là, normalement, ça devrait avoir réinitialisé. Donc, si vous avez le même problème et que j'ai trouvé la solution, n'hésitez pas à me remercier. Allez, c'est bon. Ah, on va se retaper la cinématique, mais je veux la passer. On va pas se la faire deux fois de suite. Voilà. Cette fois-ci. Donc lui, il est là. Remerciement. Rejoindre un combattant. Armaraza, utiliser l'ascenseur dans le laboratoire de recherche. Mais ça y est, j'y suis dans le laboratoire de recherche. Non mais tu te fous de ma gueule? T'es sérieux là? On remonte. Je vais bien, tout va bien. Armaraza, utiliser l'ascenseur dans le laboratoire de recherche. Ok. Donc, cinématique. Je la passe bien comme il faut et pas sur la touche échappe, c'est l'erreur que j'ai fait précédemment. Ouais, tout ça on a vu, on sait... D'accord.
Eh ben dis donc. Votre scanner facial correspond au profil de recherche du professeur Ogurob. C'est un plaisir de vous rencontrer, maître. Bon bah du coup on va varier un peu les plaisirs, hein. Tu te souviens pas de moi. On s'est vu il y a 2 minutes. Excuse. Les données de ma mémoire d'origine ont été perdues. Mais on m'a raconté que nous avons vécu des aventures impressionnantes. Explication. Avec la perte de ma mémoire centrale d'origine, mes paramètres cognitifs ont été réinitialisés, y compris les autorisations de visée. Si je suis programmé pour éliminer les combattants ennemis armés et en uniforme, je ne peux pas traiter les autres cibles sans votre aide. En votre absence, je suis actuellement incapable d'éliminer de nombreuses menaces potentielles, ce qui est totalement inacceptable. Mais moi je t'autorise donc à nouveau. Je comprends pourquoi on fonctionne si bien ensemble. On aime tous deux l'efficacité. Exposition. Cet essai a été spécialement conçu pour définir les cibles que je suis autorisé à exterminer lorsque j'opère sans votre supervision directe. Je vais décrire plusieurs scénarios hypothétiques. Oui, bon, ça on sait. Je me fie à ton jugement. Allez, direct. Excuse. Une autorisation globale ne suffit pas, maître. On parle quand même de vie ou de mort. Instruction. Je n'attends que votre signal pour envoyer les scénarios. Mes futurs assassinats sont entre vos mains. Bon, alors, on va retester la console ici, en espérant qu'elle fonctionne bien. Scénario. Je suis chargé de neutraliser un canon anti-aérien au cœur du territoire ennemi. Ça, je sais. Donc, moi je t'ai dit que je t'autorisais à exterminer. Autodestruction. Espérons qu'on n'en arrivera jamais là, maître. Ok. Et ensuite? Je vais bien, je suis zen, je vais faire des bisous à mes cigarettes. Ok. Bon, et ben vous savez ce qu'on va faire. Je suis sûr que parmi vous, certains ont déjà dû rencontrer ce bug. Et si parmi vous, certains ont la solution, parce que visiblement j'ai annulé la quête, je l'ai reprise, ça ne fonctionne pas. Donc si les gens savent comment on fait pour avoir ce putain de HK55 qui est en train de me les briser menu, hein, qu'ils n'hésitent pas à se manifester dans les commentaires, parce que là, pour le coup, je suis un petit peu à court de solutions. Je ne vois absolument pas quoi faire. Si je lui parle, il n'y a rien. Si je retourne là, il n'y a rien non plus. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas, hein, voilà, je suis dans l'attente cette fois-ci, j'ai vraiment besoin de votre aide parce que là pour le coup je ne vois pas comment trouver de solution. Je suis désolé, c'est un épisode, alors là pour le coup c'est un petit peu merdique, la quête du puits 12, rien, on était devant le puits 12, il se passe rien, donc je ne sais pas ce qu'il faut faire. Et là on est dans HK55 qui bug, je ne suis pas le seul à avoir le bug puisque j'ai vu sur internet que d'autres personnes avaient le bug aussi, je vais essayer de me pencher aussi un peu plus là-dessus sur les forums. En attendant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos solutions, comment vous avez-vous fait, est-ce que vous avez rencontré ce bug, si oui, comment l'avez-vous résolu. N'hésitez pas, je suis tout oui. Sur ce, tant pis, on va se faire des bisous ici. Qu'est-ce que vous voulez que je continue? Je peux pas continuer sans continuer. Ah bah oui, il se passe rien. Je suis fort déçu lorsque HK55 ne fonctionne plus, hein, tu peux comprendre. Bon bah tant pis, hein, on se fait des bisous ici, puis on se dit à très bientôt pour la suite en espérant qu'on ait résolu le bug. À bientôt les gens. Cet épisode était ridicule.